Bon, du coup, on a déplacé, tac, la barre, vous voyez là, j'avais plus de batterie sur l'appareil photo. Donc on l'a déplacé pour que ça s'équilibre avec les patins qui vont arriver là. On a préparé les brides. Maintenant, il va falloir que je coupe des tubes comme ça pour chaque bride. Tac, tac, tac. Donc il va y avoir double patin. Donc c'est parti, on va couper les tubes. Ensuite, il restera les équerres. Couper à longueur les morceaux. Donc là, on est parti sur du 10 par 5. Normalement, ça va marcher. Il faudra faire les arrondis, moqueter. Il y a encore du boulot. Voilà. On en est là, on a changé la tringlerie. Donc c'est parti, découpe des tubes. C'est du 40-40 pour pouvoir les fixer là, qui vont être les supports de patins. Bon, voilà ce que ça donne. Juste, on n'a pas réglé, hein. On a juste posé les patins qui sont pas encore moquetés. Mais ça donne une ordre d'idée de la remorque. Ce que ça va donner, ça fait propre. Ça fait propre, ça fait propre. Voilà. Il n'y aura plus qu'à tout régler. Moquette, ce qu'on va faire tout de suite, poser la moquette sur les patins. Allez, découpe de la moquette, moquette marine. Il va me falloir des bandes de 30 cm. Elle rentre pas? Non, sérieux? Ouais. Elle rentre pas. Mais c'est des classiques? Non! Il y a 140. C'est une 80. C'est 90 là. C'est 140 qu'il faut. Oh, fais chier! Ok. Bon, voilà le patin, le premier, on a fixé la moquette. Voilà, normalement, ça va tenir, il reste les angles à faire, une petite découpe là pour rejoindre les deux bouts. Et normalement, c'est plutôt propre. Ça, on a réussi à la tendre
avec un système de serre-joint et une cale pour que ce soit assez tendu. C'est dur à tendre, mais on a réussi. Bon, voilà là où on en est. Là, on a fini de moqueter, c'est propre, c'est nickel. Maintenant, on va régler un petit peu la hauteur de manière, voilà, pas parfaite, hein, mais à peu près, pour pouvoir fixer les barres sur les montants qu'on a fait. Hop, avec des tire-fonds directement dans le bois. Il n'y a plus qu'à faire ça. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, les patins sont posés. Tac. Alors, je crois ça. Voilà, vous savez, plus de batterie sur la GoPro, sur la caméra, pardon. Donc on a vissé, on a mis les tire-fonds sur tous les patins. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va mettre, ça va être des bandes pour que ça glisse mieux. Comme ça, là. Un peu partout, donc il nous reste à préparer ces bandes là. Ça, c'est juste un premier test, et on va les visser un petit peu partout sur toute la longueur du patin pour que ça glisse beaucoup mieux que la moquette. Bon, du coup, pour faire les patins, la petite astuce, c'est les planches à découper de chez Ikea. Ça vaut 3 euros quelque chose. La planche dedans, on fait 3 patins, ça glisse bien, ça coûte pas cher, et on va pouvoir en mettre partout sur la remorque. Du coup, faut les préparer, faut les découper. On va les découper en 3, faire des petits bords en angle. On va faire ça aux petits oignons. Bon, ça y est, j'ai découpé toutes mes... J'ai fait tous mes arrondis. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit congé. Enfin, une petite angle à 45 sur tous les bords. Tac, tac, de chaque côté. Allez, j'ai monté la défense sous table. Comme ça, je suis en sécurité, je vais faire les bords et ensuite, dans un deuxième temps, je ferai les arrondis. Allez, c'est parti. We'll be right back.
voilà. J'ai fini les pattes. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite rainure. Hein. Tac, les bords bien arrondis. Plus qu'à faire les trous pour les perçages. Voilà. Mes 24 patins sont là. Et je suis bien content là. C'est vraiment propre. Il y a un petit revêtement, des petits picots qui je vais laisser. Normalement, ça va permettre d'avoir moins de surface de contact. Ça glisse mieux. On verra bien. Puis il faudra retirer tous les patins et passer à la raboteuse. Mais sinon, voilà. Pour pas trop cher, il y en a pour 30 euros là. Et il y en a, ça me fait 24 patins, soit 8 planches. 8 planches à découper. C'est nickel. J'ai plus qu'à faire des trous avec un fraisage pour que la tête de vis ne se ressorte pas. Que ce soit bien propre. Parce que là, j'ai un paquet de trous à percer. Hein. 24 planches, 5 trous par planche. Gêné pour un petit moment.